Sur le site de Valnor, à Saint-Bigor-d'Imonville en Normandie, sont recyclés et valorisés déchets verts et bois de palettes de démolition. Cette biomasse sera le support pour le compostage des boues issus de stations d'épuration et d'industriels. Dans ce procédé de valorisation, un mélangeur retourneur Valormax de Norémat est utilisé afin d'obtenir un produit homogène et donc de meilleure qualité. La Valormax a un rendement de 210 m3 par heure. L'avantage de cette machine est qu'elle n'occupe qu'un faible espace et peut donc ainsi travailler dans un environnement plus restreint. Le mélange s'effectue grâce à un rotor équipé de fléaux, dont la particularité est d'être libre, associant à la bonne qualité du mélange le fait de construire un andrin bien formé. Une chargeuse dispose le compost dans la traînée de la Valormax qui est pilotée à distance par une télécommande. Grâce à ce procédé, 20 000 tonnes de boue sont valorisées chaque année. Les fléaux mobiles du rotor, positionnés selon un angle bien précis, vont à la fois émietter le produit pour obtenir une structure la plus homogène possible et le recentrer, de sorte à reconstituer la forme de l'andrin. Un mélange homogène va ainsi maintenir une température constante du compost et donc une fermentation et une maturation régulière plus rapide de meilleure qualité. La Valormax est équipée d'un plateau relevable jusqu'à 3 mètres de hauteur, avec possibilité d'extension grâce à l'utilisation d'un tapis d'éjection si nécessaire. Le compost sera retourné une seule fois durant son élaboration. La phase de fermentation dure un mois et il faudra 5 à 6 mois pour sa maturation afin que les propriétés du produit soient optimales. Grâce à ce dispositif, le retournement des andins va permettre une diminution du taux de refus de criblage à hauteur de 20% et augmenter sensiblement la productivité du site de compostage. Il permet aussi un rendu plus agréable visuellement. La Valormax accentue donc la qualité du compost par un retournement simple mais efficace.